et bonjour à toutes. C'est bientôt la fête de la musique. Et non, ce n'est pas moi qui joue, mais je reçois aujourd'hui un invité spécial qui vient nous parler de son nouvel album Eli Eli Lama Sabachthani. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui le frère Massamba. Bienvenue frère Massamba. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Ce n'est pas moi qui ai joué, mais j'ai essayé. Donc, frère Massamba, aujourd'hui, vous venez de nous parler de votre dernier album. Oui. Eli Eli Lama Sabachthani. Voilà. C'est ça? Eli Eli Lama Sabachthani. Lama Sabachthani. Voilà. Très bien. Donc, nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Amen. Et donc, ce dernier album, Eli Eli Lama Sabachthani, on va y arriver, un nom assez puissant. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà, frère Massamba, qu'est-ce qui vous a inspiré ce nom? Cet album, un jour le matin, je me suis réveillé et j'ai l'habitude de prier vers entre 5h et 6h du matin. Et quand j'ai fini la prière, j'ai retourné dans ma chambre et j'ai entendu une voix qui disait « Eli, Eli, Lama Sabachthani ». Et j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à chanter. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli Lama Sabachthani, Eli, Eli Lama Sabachthani, Eli, Eli Lama Sabachthani. Mais les autres disent, les voyons si elle y viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Eli, 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 Lama Sabachthani, c'est pas facile à prononcer parce que c'est en hébreu, si je ne me trompe pas. Et quand le Seigneur était sur la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et moi, je pense que c'était une réponse aussi à mes prières. Parfois, lorsqu'on prie, et on pense que Dieu ne nous entend pas ou Dieu ne nous exauce pas. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Donc, c'est ça le titre d'album, Eli Eli Lama Sabachthani. Ce qui est plus intéressant dans ce témoignage de Jésus, le troisième jour, il n'était plus au tombeau. Amen. Donc, ça, c'est la délivrance totale. D'accord. Voilà. Et pour toutes les personnes donc, qui sont curieuses de découvrir cet album, je vois qu'on a, y a un petit peu de tout. Il y a des chants en lingala, des chants en anglais et des chants en français. Mm-hmm. Donc, il y en a un peu pour tout le monde, hein, pour que tout le monde puisse, voilà, puisse être touché. Hein. Mm-hmm. Je vois que vous avez un titre qui s'appelle « Lord, you are holy, Dieu, tu es saint mm-hmm. ». Est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait de « Dieu, tu es saint » ? « Lord, my God, you are holy. » I wanna sing your glory in my life. Sing holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. On peut chanter holy. Holy. Thank you, Jesus, because you are holy. Lord, my God, you are holy. I wanna see your glory in my
life. Sing holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. Sing holy. Seigneur mon Dieu, tu es saint. Je veux chanter ta gloire dans ma vie. Papa, quand tu comes balen à mine, bazali kogumba melayo. Bazali koganga makasi. Mon santo, si holy, holy. Holy, holy, you are holy, holy, holy. Amen. Amen. C'est une très belle version. En plus, vous chantez en français, en anglais, en lingala. En lingala, en français, en lingala. Ça, c'est vraiment bien. Et c'est traduit en même temps. Et donc, on a la chanson ici, Eli Eli Lama Sabachthani, qu'on a entendue, mm-hmm. Mon âme a soif, mm-hmm. Et une chanson qui s'appelle Naïe. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette chanson, Naïe? Naïe et Panayo, je viens vers toi, Seigneur, avec tous mes fardeaux. Donc, Naïe et Panayo, Nami Kumbananga, Yambanga, Nenge, Nazali. Donc, je viens vers toi, Seigneur, avec tous mes fardeaux. Amen. D'accord. La Bible nous dit, notre Dieu, il est miséricordieux. On voit beaucoup de personnes, parfois, ils ont peur de venir vers Dieu parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont fait des choses qui n'ont pas béni le Seigneur. Mais le Seigneur t'appelle avec tous tes fardeaux. Amen. Et quand tu viens avec tes fardeaux, tu les déposes et le Seigneur, il prend en charge. D'accord. Bon, pour tous ceux qui nous regardent, Naïe, ça veut dire « je viens ». Je viens. Après, il y a un chant qui s'appelle « Bonne nouvelle ». Bonne nouvelle. Donc, l'évangile. L'évangile. Et ça, c'est la Bible est chantée à 100%. Donc, c'est... il dit... je vais le chanter, hein, souvent. Hein. Toi et moi, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, ouvre-le-lui, tu seras sauvé. Hey, il est le chemin, la vie, la vérité. Voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui et moi. Oh 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 oh. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises de Dieu. Yeah. Allez partout, le monde est prêché la bonne nouvelle. À toute la création, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, seront guéris.
bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la Bible est chantée, donc c'est ça, c'est la bonne nouvelle. Et après, on a un titre qui s'appelle Bassantou. Pour tous nos non-lingalophones, de quoi parle cette chanson? Bassantou. Attends, souvent, ça vient quand je tiens la guitare, donc ça fait un. Basantu boya to sangana na bana combattant boyo suka eli sanga bana zambe to koyemba poto kumisa mokonzi na biso na bana combattant esengo kimia boboto bande ko ezali katina biso awa a to sa les amis, les chrétiens, Bassantou, ça veut dire les croyants, venez, nous allons louer le Seigneur. Amen. Il nous a donné la paix. Et lorsqu'on loue le Seigneur, parce que vous savez, il y a un phénomène combattant, on parle des combattants, il y a les combattants partout. Mm. Les combattants, les gens qui ont combattu dans la guerre mondiale, première guerre, deuxième guerre mondiale. Et il y a aussi des combattants, des gens qui revendiquent leurs droits. Et nous, on est des combattants en Christ. Donc les combattants, c'est des personnes qui apportent la paix, qui amènent la paix là où il y a des combats, là où il y a des problèmes, là où il y a des guerres. Nous, on vient pour la paix, pour prêcher la bonne nouvelle, comme je venais de chanter. Donc, Bandeko Bassantou, Boya, Tosangana, Nabana, combattants, venez, on va se réunir avec les enfants des combattants. Oyosu Kanali Sanga, Yabana Nzambe, Toko Yemba, Toko Kumisa Mokonzi Nabiso. On va chanter, on va glorifier notre Seigneur qui est Seigneur Jésus-Christ. Amen, parce que nos âmes ne sont pas charnel. Amen. Ensuite, il y a un titre qui s'appelle Massia. On va tous le faire. Pardon. Massia, pareil. Massia, c'est un titre. Et vous savez, moi, je suis un enfant. J'ai grandi un peu dans la rue. Je suis un enfant, comme on dit, un enfant qui vient de la rue. Et en Europe, on peut l'appeler comme un enfant SDF, c'est ça? Voilà. Et souvent, les enfants sont victimes parce que le parent, parce qu'un enfant n'est pas venu comme ça au monde. Oui. Il y a eu un homme, il y a eu une femme. Mais quand les hommes, l'homme ou la femme ne prend pas ses responsabilités, on ne fait pas les enfants pour faire comme ça. Donc il y a un but, Dieu quand nous envoie, et chaque personne a un rôle à jouer et Dieu ne nous envoie pas pour que nous soyons des vagabonds, pour que nous traînons dans la rue. Et moi, j'étais un enfant de la rue. C'est pas que mes parents m'ont envoyé dans la rue, mais non, la vie était tellement compliquée à la maison. Et je me suis forcé d'aller chercher, et comme chez nous on dit, chercher la vie. Donc je voulais m'en sortir, mais sauf que j'étais trop jeune d'aller faire ce que je voulais faire. Et je me suis retrouvé dans la rue et j'ai vu beaucoup d'autres enfants qui étaient dans la rue, qui étaient là, qui souffraient et parfois ils se battaient. Tu vois, les enfants dans la rue, ils ont plein de problèmes, ils se battent, ils se blessent. Donc, et ce genre de témoignages. Et quand j'ai grandi, ça m'a inspiré de faire des chansons comme ça. Donc j'ai dit Massia. Et c'est quoi le titre? Massia. Voilà, Massia, tu es le papa des délaissés, des pères des orphelins. Amen. Donc, je peux essayer un peu. J'ai chanté comment? Massia yonde mo batelina nga bolingo na yo eluti monene. Massia yonde mo batelina nga bolingo na yo eluti monene. Bolinga kinga na libu mwa mama. Libosonga na bota moye bakinga. Donc avant que je sois né, tu me connaissais, même avant que je sois formé dans le ventre de ma mère. Massia yonde mo batelina nga bolingo na yo eluti monene. Yolinga kinga na libu mwa mama. Libosonga na bota moye bakinga. Kobota mananga lisolo ya bonsoni. Irresponsabilité ya baboti mingi. Eko fingi sabana tango bako botama.
Masia yonde mo bateli nanga. Masia na yo na mi bumbie pai na yo. Masia na yo na zielikia. Masia papa ya bane bele. Donc c'est ça, Masia papa ya bane bele, le père de... De nombreux enfants. Voilà, des orphelins, de tous les délaissés. Amen. Voilà. Après, donc on a le titre numéro 8 qui s'appelle « Mariage y sacré ». Les mariages y sacrés, ça c'est en créole ça. Ah oui, ça, donc j'ai oublié une langue, français, anglais et créole et lingala. Et lingala. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Le mariage c'est pas en jeu, c'est en bagage sérieux. Le mariage y sacré et c'est travail bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni, bon Dieu, où tout ça y fait. Ben nous, le mariage est sacré et c'est travail, bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu. Les mariages sacrés et c'est travail bon Dieu, c'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Alors bon Dieu fait tomber l'homme dans un profond sommeil, il prend un corps de l'homme et il a mené la chair en place. Dieu formé en femme de la corde qui te prend de l'homme et il a mené vers l'or, vers l'or. Le mariage est sacré et c'est travail bon Dieu, c'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Waouh! Ça c'est créole, hein? Ça c'est des zouk, love tout simplement. Pour le mariage amoureux. Est sacré. Voilà, et sacré. Tous nos amis qui parlent créole, nous créolophones. Voilà, donc c'est un album très riche. Donc, c'est ça. Et ça, c'est mon 8e album parce que j'ai fait beaucoup d'albums. Mais dans cet album, je voulais sillonner un peu le, oui, c'est important. Le monde, sillonner un peu les Antilles, l'Afrique, l'Amérique. Donc, il y a un peu de tout dedans. Et donc, notre titre numéro 9, c'est Yonde Nzambe. Yonde Nzambe. Ah, ça, c'est... Il y a un grand chanteur qui je ne sais pas si je peux appeler ça du rap, hein, mais il parle. Hein. Mm-hmm. Donc, on peut dire que c'est du rap. Et il y a une grande chanteuse qui chante aussi dans cette chanson, c'est Sandra Mbouyi. D'accord. Elle était mon invitée, donc j'ai écrit la chanson et elle a chanté. Donc ça, je vais le chanter en a cappella. Masia yonde mo sikoli nangai nyonso yolobaka okokisaka atako banguna bazinga melingai nabomoi nangai elongezali. Yonde Nzambe nakobange lokote hata moyini atelemi tango nalali pongio batela kanga ekimelo nanga. Donc qui signifie Yonde Nzambe attends, c'est compliqué quand même. Toi seul Seigneur. Voilà. Oui. Nakobange lokote, je n'ai pas peur même si mes ennemis sont nombreux. Même quand je dors la nuit, je n'ai pas peur, je sais que toi, tu me gardes. Waouh! Voilà. Waouh, waouh, waouh! Eh bien, en plus, il y a des collaborations. Mm-hmm. Et donc, c'est bien parce qu'il y a vraiment une suite logique. Mm-hmm. Donc, après avoir dit que seul Dieu nous garde, mm-hmm. il y a le titre qui s'appelle Je sais que tu es là. Voilà, je sais que tu es là. Et moi, je suis un père de 4 enfants. Et tous mes enfants chantent maintenant dans la chorale que je dirige en Belgique, les chœurs du fleuve d'eau vive. Ils sont au moins ils sont 70 à peu près, des choristes. Et j'ai fait intervenir la chorale. Donc, d'accord. Je sais que tu es là. C'est son... avec la chorale de l'église de Fleuve d'Eau. Oui, les enfants. Avec les enfants. Avec les enfants. Je sais que tu es là, toujours avec moi, et personne ne pourra plus me tromper. Je vais te garder en moi, oui, tout au fond de moi, pour que tu sois mon bouclier. Je sais que tu es là, toujours avec moi, et personne.
personne ne pourra plus me tromper. Je veux te garder à moi, oui, tout au fond de moi, pour que tu sois mon bouclier. La 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 la. Ça prend du temps. Oui, bien sûr. Et avec les enfants, c'est ça va très vite. Hein. Ça va très très vite. Oui, avec les enfants, c'est très bien. Et donc, le titre numéro 11 s'appelle Likambo. Likambo. Ouh. Et un jour, j'ai regardé la télé à Kinshasa, au Congo. Et je regarde, ils vont filmer dans un quartier les gens qui se battaient. Mm. Les gens qui se battaient. Et il y en a qui avaient attrapé la folie. Likambo, c'est un problème, ça veut dire un problème. Mais quel problème? C'était dans une famille, et ils ont marié leurs enfants, et les oncles au village, ils n'ont pas, chez nous on appelle ça la dot, ils n'ont pas eu leur part. Oui. Et après, la fille qui devait se marier a attrapé la folie, parce qu'on l'a envoûtée. Et c'est comme ça que la famille, ils ont commencé de se battre. Et moi, ça m'a inspiré. J'ai dit, bande kobota le langa souka ya likambo. Et banoko ba outi na mboka ba weli mbongo ya libala. Ce qui veut dire? Les oncles sont venus du village et puis c'est chamaillé à cause de l'argent de la dot. Et c'est pas normal. Et je parle dans la chanson, j'ai dit, nos enfants, ils sont pas pour du commerce. Nos enfants ne sont pas à vendre. Ils ne sont pas à vendre, voilà. Quand Dieu nous donne des enfants, c'est pour l'avenir de demain. Amen. C'est pas pour vendre, c'est pas pour en profiter. Donc, ça parle un peu de ça, la chanson. D'accord. Voilà. Et donc, le dernier titre, il s'appelle Louer Dieu. Louer Dieu, c'est le psaume 150. Waouh. Louer Dieu dans son sanctuaire, louer Dieu et louer Dieu, que tous ceux qui respirent. Loue l'Éternel. Voilà. Amen. Et donc, en fait, le titre, c'est Eli Lama Sabatani, mais c'est vraiment un CD avec une note d'espoir dedans. Un CD qui donne vraiment. Voilà. Qui réunit tout le monde, qui rassemble un peu tout le monde. C'est ça. Voilà. Donc, c'est et qui donne l'espoir. L'espoir, voilà. Et Dieu, donc, pour dire que Dieu ne nous a pas abandonnés en dépit du titre, vraiment, Dieu est avec nous, quoi. Amen. 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 Pour, est-ce qu'on pourrait avoir, parce qu'on a eu des petits extraits, est-ce que vous pourriez nous chanter la chanson de votre choix pour tous ceux qui nous regardent, un des chants de l'album Eli Lama Sabachthani? Ah, les choix, quel chant. Je vais chanter ces chants-là à Lingala, hein, qui dit Naye et pas Nayo Pongalabika. D'accord, je suis Naye Namikumbananga Pesanga Makas. Je viens vers toi, Seigneur. Sauve-moi, donne-moi la force, je viens avec tous mes fardeaux. Amen. Ça fait. Naye pa nayo, ponga na bika, naye na mikumbananga, pesanga imakasi. Naye pa nayo, ponga na bika, naye na mikumbananga, pesanga imakasi. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, souviens-toi de moi, Seigneur, à cause de ta miséricorde. Naye panayo, pongalabika, naye na mikumbananga, pesanga imakasi. Naye panayo, pongalabika, naye na mikumbananga, pesanga imakasi. Avant ma conversion, j'étais malheureux. Je ne pouvais pas sourire, je ne pouvais pas sourire. Depuis que j'ai connu le roi des rois, le seigneur des seigneurs, fils du Dieu vivant, Shilonanga na tiela kamote mae. J'ai devant moi donc des flyers parce que, frère Massamba, vous êtes en concert bientôt. Racontez-nous un peu ça. Je vois que vous êtes en concert à. On s'écrit. À Mons, donc, à Mons. En Belgique. En Belgique. Oui. 26 rue des Canonniers
à Mons. Et c'est le 4 juillet, c'est ça? Le 4 juillet, oui. Zaterdag, comme on dit par chez vous. Voilà. Samedi. Oui, samedi, voilà. Zaterdag. Voilà. Parce que la Belgique, c'est bilingue. Hein. On a deux langues là-bas. Et du coup, même les affiches, quand nous faisons, on fait... C'est toujours bilingue. Bilingue, c'est voilà. Bien. Les francophones se retrouvent, les anglophones ou les néerlandophones se retrouvent. C'est aussi. Génial. Voilà. Et vous êtes également apparemment à l'étranger, frère Massamba, pas simplement en Belgique. Oui, mais je bouge beaucoup. Là, je vais entamer une tournée qui commence dans deux semaines. Et ça va m'amener normalement à Toronto, ça va m'amener à Sainte-Luce, c'est vers les Antilles anglophones, et Guadeloupe ou Martinique. Et donc tout ça, et puis il y a Togo qui suit après, donc ça c'est vraiment une série. C'est tout un programme. Voilà, tout un programme, voilà. Et donc pour tous ceux qui nous regardent, ils peuvent trouver vos CD, où ils peuvent les trouver? On va donner des coordonnées, sinon d'accord. Écrivez-nous, donc vous pouvez commander même sur votre chaîne de télévision. Donc on va mettre toutes les informations voilà. Dans la boîte de description. Voilà. Pour tous ceux qui voudraient acheter ce CD, Eli Lamassa Batani, mm-hmm. Et vous avez également d'autres CD du frère Massamba qui sont disponibles. Voilà. Un CD qui s'appelle « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi mm-hmm. ?» Également un CD qui s'appelle « Vivre pour Dieu ». Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Ah. Est-ce qu'on peut entendre un petit peu de cette fameuse chanson qu'on aime tant? Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fera poser dans tes verts pâturages ailleurs, à cause de son nom. Je vivrai, je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah, yeah. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Massamba. Donc, toutes les informations sont dans la boîte de description. C'est bientôt la fête de la musique. Le frère Massamba est à Mons et également un petit peu partout. Je vous mettrai toutes les informations dans la boîte de description. Et vous avez encore des concerts à venir. Donc, suivez-nous sur notre chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur le petit j'aime et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt et au revoir.